Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce mercredi 17 juillet 2019 et juste après le prono, vous aurez l'arrivée Quinté Plus de ce mardi 16 juillet 2019. Donc tout d'abord, en description, mon compte Utip. Donc certaines personnes y sont allées, donc merci à eux. Donc 43 abonnés déjà sur le compte Utip, donc ce serait merveilleux de me soutenir également sur ce compte Utip. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci en tout cas de ceux qui le font. Donc j'ai fait une vidéo d'annonce sur ma page d'accueil YouTube pour vous montrer comment fonctionne Utip. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà. Ensuite, on va passer au prono Quinté Plus donc de ce mercredi 17 juillet 2019. Donc ce sera la R1C1 à 13h50 à Argentan. Ce sera de l'attelée sur 2875 mètres et il y aura 16 partants. Mon niveau de confiance est de 3 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 8 Diavolo Chris Cani, drivé par Gelormini. Ma base sera le 7 Crack Money, drivé par Terry. Mes outsiders seront le 11 B1 d'Étiron, drivé par Dojar. Le 6 Berlioz de Liton, drivé par Lagaduc. Et le 15 Amour Orageux, drivé par Le Bourgeois. Mon jeu simple sera donc le 8. Mon second favori, le 7, mon tocard, le 11, et mon regret, le 16, Bettina de Tillard, drivé par Popote. Donc, mon conseil de jeu, donc mon 2 sur 4 sera le 7 et le 8. Mon 2 sur 4 combiné sera le 7, 8, 14. Mon couplet combiné sera le 7, 8, 14, 11. Pour ce qui est de mon multi en 7 en champ total, ce sera le 7, 8, 14, 11, 12 et 6. Et pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 7, le 8, le 14, le 11 et le 12. Pour ce qui est de mon quinté plus en champ réduit, donc celui-ci jouez le modérément, il est très élevé à mise, même en flexi, donc allez-y mollo, il est très dur à faire entrer. Donc ce sera le 7, 8, 14 dama base et en champ réduit. Le 11, le 12, le 6, le 10, le 15 et le 16. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, donc pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8, donc vous pouvez jouer en flexi également. Ce sera le. Alors je commence par le numéro 7 par ma base parce qu'il a de fortes chances de rentrer en tête. Très bon cheval. Mais je préfère pas le jouer en jeu simple pour la simple et bonne raison que la cote va être médiocre. Donc je préfère me projeter sur un autre cheval. Donc si on doit faire un ordre, autant le faire en commençant par lui s'il rentre en tête. Donc ce sera le 7, le 8, le 14, le 11, le 12, le 6, le 10 et le 15. Voilà pour le pronostic Quinté Plus de ce mercredi 17 juillet 2019. En espérant que ce soit mieux qu'aujourd'hui avec l'arrivée Quinté Plus de ce mardi 16 juillet 2019 que l'on fait de suite. Donc l'arrivée est le 14, le 4, le 9, le 3 et le 12. Donc on a mon second favori qui est quatrième, mon regret qui est cinquième, donc mon regret qui rentre encore dans les 5. Bon, pas comme hier où il est rentré gagnant. Donc on gagne tout de même 2 sur 4 combinés qui nous rapporte 11,10. Donc en ce moment c'est des courses difficiles je trouve. Donc pas beaucoup de gains, mais bon, on va se rattraper, on va remonter la pente, c'est pas un souci. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir mon compte Utip pour me soutenir en plus de YouTube. Donc on est déjà 43 abonnés, je le répéterai jamais assez. Donc c'est entièrement gratuit. Il y a juste des pubs à visionner si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Donc ensuite, n'hésitez pas à partager mes vidéos ainsi que ma chaîne YouTube, likez, abonnez-vous, commentez, je vous fais plein de poutous et on se retrouve demain pour l'arrivée Quinté et le prono de jeudi. Allez, ciao ciao, bonne soirée tout le monde.